Les classes à horaires aménagés, c'est des heures dans notre emploi du temps qui ne sont pas en plus, mais qui sont aménagées. On a moins d'heures de cours et on a 3 heures de chant choral. On a 1 heure le mardi de formation musicale. On a aussi la même journée 1 heure de chorale sur le temps du midi. Et souffle bruyamment vers le sol. D'abord, on s'échauffe, hein, on s'étire, on échauffe la voix. Et après, on commence à chanter. Si on envoie juste notre son à 1 mètre, bon, c'est bien, mais c'est pas top. L'idée, c'est plutôt d'aller hyper loin. Et c'est reparti. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Il y a 2 classes et en flamme, du coup, il y a une partie de la 6e C et une partie de la 6e D qui se retrouvent et du coup, ça fait une classe charme. On l'est à chaque fois. New York, New York, New York, New York. C'est mieux. This vagabond shoe. This vagabond shoe. I love him to swear. Le mardi, on est divisé en 2 groupes pour faire de la formation musicale. On fait des percussions corporelles, des notes sur le piano. Là, je voudrais déjà des demi-tons pour commencer. Super. Le do est à gauche des 2 touches noires. On travaille plus sur les notes, à apprendre à lire les notes. Apprendre à lire une partition et à lire la musique. Do, ré, mi, ré, mi, fa, mi, fa, sol. Et je trouve que c'est pas mal, de toute façon, ça accélère un tout petit peu, sans accélérer. Attention pour tout à l'heure, quand on va faire un meeting. Et au 1. Love is great, my heart, oui. The flower. Okay. Love is great, my heart, the flower. I need your love, oh, I will die. On a beaucoup de profs différents. On a plusieurs façon différente d'apprendre. C'est bien ce que vous faites. Allez-y, vous pouvez vraiment avoir confiance en vous. Ça marche plutôt bien. On fait des sorties. Ouais, par exemple, on fait des sorties au conservatoire pour faire des concerts. Les chants qu'on travaille, c'est pour un concert. C'est un moyen de présenter ce qu'on a fait au public, pour voir ce qu'on chante. Là, on va se diriger vers la scène. Le concert, il va passer en un clin d'œil. Donc, si vous voulez en profiter au maximum, donnez tout ce que vous pouvez sur scène. J'ai bien monté sur scène et chanter devant le public avec mes camarades. Moi aussi, ça me plaît, mais je trouve que c'est très stressant, mais après, c'est génial. Dès que tu arrives sur la scène, t'es détendu. C'est qu'aussi, on a de la famille qui vient voir un concert. On a toujours quelqu'un à qui penser pendant le concert. Et ça nous rend heureux et à la fin, on est toujours fiers de notre travail et fiers de tout ce qu'on a pu faire ensemble. Et ça montre qu'on est un groupe soudé. Dans les chambres, on apprend plein d'autres choses. Il y a plus d'activités. Pour les gens aussi qui aiment bien chanter, c'est bien parce qu'on apprend plus de choses et il y a une bonne ambiance. C'est bien, on fait plein de sorties, on peut par exemple visiter l'opéra. En fait, on est un groupe et vu qu'on se voit souvent, même si on n'est pas dans la même classe, on est tous très proches.
retrouve souvent. Et genre, il y a beaucoup d'amitiés qui se créent. Aussi avec les autres chœurs, parce qu'on aime beaucoup faire des collaborations en chœur.